Voilà, bonjour à la classe d'Isabelle. Bonjour. On va aller voir les dessins des enfants de la classe que j'ai placés dans le musée pour essayer de deviner les prénoms qui ont été utilisés. Alors, je les ai mis au musée Moya. Voilà. On va y aller, on fait attention en traversant. Hop, ça c'est le Moya Museum. Il y a toutes les œuvres justement avec mon nom qui ont été faites avec les lettres du nom. Moya, Moyka. Il y en a partout. Et j'ai placé vos œuvres dans le musée pour pouvoir les regarder tranquillement. Alors on va commencer par la première. Alors déjà il faut deviner l'animal ou l'objet. Alors il y a un chien, une licorne, un chat, un renard, ou un bateau, une guitare, une chaise, une fleur, un vélo. Alors là, je dirais que c'est plutôt un chat déjà. Ensuite, le prénom. Alors, le prénom, on a LMNIA. Donc, ça doit être. Je vais regarder les prénoms en bas. Alors, oh là là. Mélina, voilà, ça c'est Mélina. Voilà, j'ai trouvé Mélina. Mélina. Ensuite, on passe à la guitare. Alors là, c'est la guitare. Donc en haut, il y a un M ici, un A. Je pense qu'il y a un O dans la guitare et un L ici. Donc en regardant, ça doit être Malo. Voilà, ça, c'est Malo, c'est la guitare. Alors maintenant, on va aller ici. On a, ça, c'est un petit bateau, ça. En plus, il doit flotter puisque il est en polystyrène. Donc on a un T, un N, un Y et un A. Et ben c'est Tilan. Voilà. Et le N, il est où? Le N. C'est bien Tilan, ça, oui. Ah, il est là, le N, oui. N nuage. Voilà. Toc. On continue. Alors, celui-là, il est en hauteur. Alors là, à mon avis, c'est un chat. Parce qu'il y a des petites moustaches. Alors, il y a un. Il y a deux A, deux S, un K, un L et un Y. Alors c'est forcément Kalissa. C'est Kalissa qui a fait le chat. Alors ensuite, alors là, on serait plutôt sur une licorne, puisqu'elle a la corne, les quatre pattes. Il y a deux pattes qui ont été faites avec le R. Alors là, il y a L, R, O. Non, il n'y a pas de O. Luaa. Ah ben c'est Laura. Voilà, Laura. C'est Laura qui a fait la licorne. On va aller, on suit, on continue. Alors là, c'est une fleur. Donc ça, c'est une fleur. On a un C, un A. Alors, je ne sais pas si c'est un O ou si c'est la fleur. On a un L et un. Ah, j'en ai pas. Et un M ou un E. Alors déjà on a C, A. Alors Soline, non c'est pas Soline. Ah, c'est Alice. Voilà Alice. A, L. Ah non c'est pas Alice. Ah je me suis trompé. Alors dans ce cas-là c'est avec un C. Bah si c'est Alice. A. L, I, ah le I est là. I, C, Alice, et ça c'est un E, alors c'est pas un M. Voilà, c'est une belle fleur. C'est Alice. Ensuite, alors là, ça à mon avis c'est une licorne, puisqu'elle a la petite corne. Alors S, O, I, L et A. Ils sont coupés dans des papiers. Imprimé, donc on les reconnaît, ça doit être Soline, voilà, Soline. Voilà, alors là, ça devient de plus en plus facile parce qu'il reste moins de noms dans la liste, donc on peut deviner plus facilement. Alors ça, je pense que c'est soit un vélo, ça peut être un vélo puisqu'il y a deux roues. Qu'est-ce qu'il y avait comme objet? Un bateau. Ça pourrait être un bateau parce qu'il peut flotter, mais c'est plutôt un vélo. Un vélo. Alors,
et là on est avec un N, un S, un I, et ben on est avec, on est, ah c'est Soline alors, voilà Soline, et bien pourtant on ne l'avait pas, je me suis pas trompé quelque part, donc là ici c'est Lisa, en fait L-I-S-A, et là c'est Soline, voilà, Soline. C'est vrai qu'il y a aussi un S et un L et un I. Donc Soline et Lisa. Voilà, donc là on est avec Soline. Et ici, alors là les lettres sont un petit peu cachées, mais comme il n'en reste plus qu'un, je pense que c'est une chaise. Et donc il y a un U, un O, un L, et là ça doit être le I. Donc c'est Louise. Voilà, c'est Louise, et là il y a le... J'espère que je ne me suis pas trompé. Louise, Soline, Lisa, Alice, alors Laura, Laura, voilà, Laura, Calissa, Tilan, Malo, et... et Mélina, voilà, c'est bon, on a tout. Et maintenant on va aller voir les autres que j'ai mis en haut, je les ai mis en hauteur, je les ai mis au premier étage. Là on va y aller en vitesse, hop, on va monter l'escalier là-bas, donc voilà, on va aller là, youp, on monte, voilà, donc on monte l'étage, le premier étage. Et là je les ai mis, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là-bas, voilà. Alors ceux-là sont un peu plus faciles à trouver. Voilà. J'enlève ça, top. On y va, voilà. Il y a des tableaux. Donc c'est un musée, il y a tout un tas de tableaux. Et donc j'ai mis vos œuvres au milieu. Alors là, on est avec Sacha, Julia, Capucine. Je vais peut-être les laisser au musée parce qu'ils sont tous beaux. Alors là, on est avec Martin et Nora et Louise. Et voilà, on a tout. Alors, j'ai rien oublié. Sacha, Martin, Julia, Louise et Nora, Capucine, c'est bon. On a tout. Voilà, comme ça, tout le monde est au musée. Je vais peut-être faire une petite salle exprès pour vous exposer. On peut redescendre, on va descendre et on va retourner sur la place. Voilà, on va retourner sur la place du Moyaland. Oui, j'ai utilisé mon nom aussi pour faire une poupée, pour faire des sculptures. Voilà, ça c'est une sculpture, c'est un âne avec les quatre lettres. Il y a les quatre lettres autour, un taureau. Alors par contre, on m'a dit qu'il y avait deux dessins qui viennent d'arriver. Donc on va prendre une voiture, parce qu'ils sont encore à l'aéroport. Et on va aller à l'aéroport, voilà. On va passer à côté d'autres musées, où il y a mes œuvres. Là on voit des œuvres avec le nom à droite. Là le carnaval de Nice. Et on va passer le pont pour aller à l'aéroport. Alors normalement ils sont dans des caisses, ah ben, ils ont été sortis des caisses. On va quitter la voiture et on va aller voir les deux dessins. Alors le premier, E-N-R-O-A, Enora, et l'autre c'est Capucine. Et voilà, on a tous les dessins. Et ben je vais vous dire au revoir. À bientôt, et vraiment vous avez très très bien travaillé, c'était super, et je vous remercie de m'avoir envoyé toutes les photos des dessins et de m'avoir posé vos questions. À bientôt.